est à la montagne. Oui. On a des sales crèmes, non? On a des enfants. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour. En contrebas, là, ce petit village, bah, c'est le village où nous sommes. C'est le village de Chamonix, situé à 1050 mètres d'altitude. Donc là, nous sommes à bord d'une fusée. On fait une petite vue panoramique et c'est toujours aussi beau. Enfin, sauf que je suis pas dessus. Ah bah tiens, là, il y a un nuage qui cache le Mont Blanc. On peut plus le voir. C'est mal, hein? Non, c'était derrière nous. Oui, ben, je le sais qu'il est derrière. Il est là, là. C'est ça? Non. Encore à gauche. Tu sais, je recommence à plus savoir où il est. Il est à gauche du soleil. Ah oui, d'accord, il est très loin là-bas. Ouais. Et parmi toutes ces petites maisons se trouve notre gîte, la Tapia. Là, nous sommes à bord d'un télésiège. Tu m'as dit quoi, la tapette? Et nous montons à la station La Prada pour effectuer une superbe descente. Il a neigé cette nuit, donc on a vraiment beaucoup de chance. Il fait un temps magnifique. Et là, on décolle. Ouh. Attention, nous allons arriver à la maison. Et voilà, Chamonix, dans la quasi-totalité de son ensemble. Dans 50 mètres. Donc il a neigé cette nuit, comme vous pouvez voir. Les sapins sont tout blancs. Et j'ai pris une voie d'endive. Là, un nuage recouvre la montagne. C'est bien dommage parce qu'elle est magnifique, celle-ci. Je suis assise à côté du pire des boulets qui soit, à savoir Cyril Cosson, qui se prend régulièrement le télésiège dans la tête. C'est pour ça que je mets un casque de vision. Qui reste accroché et qui refait un tour gratuit parce qu'il s'accroche avec son sac. Et non, je le mets devant maintenant. Tiens, bah, tu regardes la maison. Et voilà, le Triskel breton. Là, oui. Breast touch, yeah man. Les bretons au ski. Ouais. Bon, allez, on va y aller. La suite au prochain épisode.